Tout le monde, c'est The Fire Zephyr. Et aujourd'hui, enfin, c'est le retour des secrets de Pent. Et donc, c'est toujours sur le film d'animation. Donc, toujours avec vous, je vais continuer cette planche-là. J'ai un petit peu modifié parce que je trouve que c'est un petit peu foireux, quoi. Puis en plus, il manque la queue. C'est que je m'étais un petit peu avancé, quoi. Ah mince, j'ai pas mis ici, bon. Alors. Bon, alors là, là, je suis sur mon MP4 parce que j'ai sauvegardé le truc. Parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a un mec qui essaye d'hacker mon PC, quoi. Donc ça explique pourquoi je me suis déconnecté d'Internet. Donc ce que je vais vous dire, c'est que j'avais fait la scène 4. Donc, comme vous avez été très sympa d'attendre, je vais tout de suite vous mettre un petit extrait. Je vais peut-être vous mettre toute la scène 4 en fait. Bon. Alors. Alors donc, on va continuer à où on était. Donc par contre, alors, bon. Faut que ça ouvre. Ah. Bon, vous voyez quoi, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Puis, de toute façon, sinon on va faire ça, mais de toute façon, vous avez compris le principe un peu. Le principe, c'est en gros, par rapport à cette image-là, quoi, vous faites dans tous les sens. Mince. Faites le personnage, quoi, dans toutes les positions. C'est à peu près le même principe. Voilà. Alors, sur ce loup-garou-là, ça fait longtemps que j'ai pas retourné, donc, bon, par contre, là, j'ai pas beaucoup de temps parce qu'après, je reprends les cours. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer les pattes, hein, je vais les refaire. Parce que là, elles sont mal faites. Bon. Alors c'est le numéro je sais pas combien des secrets de Pent. Bah de toute façon sur les secrets de Pent c'est bientôt la fin. Parce qu'il n'y a plus grand chose à expliquer. Enfin, peut-être, je vous ai expliqué le trucage, quoi. Enfin, plus facile avec Pen.net, de toute façon. Alors.
Là, puis je reprends le stylo 1. Purée. Non que le hacker, quoi. Enfin, le problème, c'est que c'est pas comme si c'était quelqu'un, quoi, que je connaissais pas. Et que ça faisait rien si je l'insultais, quoi. Ben là, en fait, c'est... Enfin, pourquoi? Parce que c'est quand même quelqu'un que je connais, quoi. Je le croise tous les jours. Alors. Bon, là, c'est un petit peu foireux parce qu'il n'y a que trois griffes. Là, je vais refaire, hein, parce que trois griffes, c'est pas possible. Il faut quand même 5. Moi que je fais... Je cherche là. Ah merde. Puis comme ça peut permettre de parler aux abonnés aussi. Enfin, je peux pas vraiment trop vous parler parce que de toute façon, je sais que le hacker, quoi, il vérifie tout, c'est le problème. Alors. Donc là, il y en aura 2, 3 et 4. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, comme ça, là, il y aura des grosses griffes, en fait. Voilà. Bon, c'est peut-être un petit peu petit par contre. Deux, trois et quatre. Alors, sans vous, vous faites les, vous pouvez les faire comme vous voulez, quoi, les loups-garous. Hein. C'est moi qui ai fait comme ça, mais vous voyez bien, ils sont pas super réussis non plus. On peut les faire sur un autre logiciel, mais... Mais par contre, là-bas... Les speedarts, quoi, je vais peut-être en remettre quelques-uns. Y a un truc, quand même, qui est pas super. Vais peut-être les tirer un peu. Enfin, par contre, Paint par rapport à Paint.net, là, vous voyez bien, c'est un outil qui est assez facile à manier. Parce que là, sur Paint.net, bah, on peut manier des trucs comme ça, mais c'est le plus compliqué pour recadrer, par exemple. C'est le plus long. Mais par contre, bah, niveau graphisme, c'est pas pareil, quoi. On dirait que les résolutions, c'est, il y a plus de pixels. Mais là, pour faire un truc simple comme ça, ben, c'est bien ça. Bon. Alors. Et donc pour les griffes, on les met en grise. En fait, à l'origine, ben, si j'avais pas relu mon scénario, je les aurais laissés comme ça, mais
dans une scène de mon scénario, au moment où les loups-garous, ils servent beaucoup quoi de leurs griffes, et puis je m'étais dit, bah, si on les voit pas beaucoup, c'est pas super top. Alors là, donc, je vais vous montrer pour le reflet. Là, il y a les griffes. Quoique là, on peut les foncer un peu parce qu'elles sont derrière. Donc, comme j'ai dit, là, il y a les griffes. On prend le blanc. Je suis bien en 1. En 2, bah, c'est pas grave. Voilà. 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 Quoique peut-être que le 1, c'était mieux. Bon, alors. On recommence, oui. Et là. Je vais faire pareil avec les mains. Bon, alors on dézoome. Bon. Là, il y a un petit problème parce qu'en fait, les pattes, elles sont un peu de profil. Mais c'est pas grave, quoi. Enfin, sans je fais ça là parce que, ben, je suis pas avancé sur les scènes pour faire le reste. Enfin, je modifie quelque peu. Mais après, de toute façon, à mon avis, je vais modifier, quoi. Enfin, je vais déplacer, puis je vais refaire. Parce que les pattes, là, sont de profil, ça va pas. Puis je vais peut-être aussi rajouter une crinière au loup-garou. Enfin, le truc sur lequel je vais appuyer, c'est plutôt, comment dire, le passage de... Ah merde, tu viens ça. Le passage de ça à ça. Voilà, quoi, c'est le passage de transformation, quoi. Bon. Alors. De toute façon, je vais effacer. De l'autre côté, je vais copier. Donc. Alors ici, on va faire le même système. Hein. Bon, normalement, je pourrais faire des épisodes assez longs, mais là, je vois bien que j'ai pas trop le temps. Alors. Sinon, pour le futur, j'ai pas trop de projets, quoi. Enfin, surtout, je pourrais en avoir, mais... Sachant qu'il y a un cœur qui est derrière, ça donne plus trop envie. De toute façon, vu que la série, quoi, c'est utile pour certaines personnes, je vous dis que je vais pas l'arrêter non plus. Non, il faut de l'espace, là, quand même. C'est le pouce, ça. Voilà. Une, deux... 3. Et le quatrième. Et là, on va faire des griffes très très longues. Bien acérées. Tranchantes. Et voilà. Alors ça fait un changement, bah pas trop non plus, mais... En fait, non, c'est pas trop ce que je voulais. Je voulais un truc un peu mieux, mais pas grave. Enfin, un petit changement.
Mais ensuite, bien sûr, je repassais un coup de noir, quoi. Par contre, le bas, ben, ce que je vous ai dit, ben, là, c'est de profil et là, c'est de face. Donc, il faudrait plutôt changer. Mais j'y changerai, quoi, après. Hein. Toute façon, je compte essayer quand même de m'avancer un peu quand en hors cam. Hein. Ben, faut vraiment que je m'avance. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, les griffes, bah pareil. Bon, si ma technique de faire le loup-garou vous plaît bien, bah tant mieux. Hein. À mon avis, elle va pas forcément plaire, quoi. Bon. C'est des griffes. Plus la lumière. Enfin donc voilà, ce que je vous expliquerai après pour le film d'animation, bah, c'est surtout une fois qu'on a les, j'appelle ça moi des planches de personnages. Mais faut qu'il y ait tous les mouvements parce que ça vous évite de redessiner le personnage à chaque fois. Vous l'avez dessiné donc vous essayez de mettre un fond uni qui est dans la palette parce que c'est mieux. Comme ça vous pourrez mettre que c'est la gomme. Faut obligatoirement prendre une couleur dans la palette et essayer de faire en sorte que ce soit une couleur que vous utilisez pas trop. Parce qu'avant je prenais le blanc mais le problème c'est que bon, en fait c'est ça va être on va dire la couleur. Bah pour laquelle c'est la couleur de fond qu'on voit pas quoi. Et même que si vous utilisez du blanc, et bien du coup tout ce qui est blanc après va être supprimé. Voilà. Hop. Allez. Bon. Ah putain, je vais bientôt reprendre l'école. Fichier après sport. En plus, j'aime pas du tout le sport, moi. Voilà. Deux coups, ça suffit. On va pas trop en mettre sur les pattes, là. Paf, 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 paf. Et ensuite, bien entendu, ben, on enlève ce qui a débordé. Et voilà. Là, ça a pas trop débordé externe, mais c'est surtout sur les griffes que ça a débordé. Donc, ben, vous n'allez pas vous embêter à re-remplir, vous faites simple. Vous essayez d'être précis quand même. Voilà. Donc voilà, le loup-garou, bah là, il est remodifié. Donc comme j'ai dit, je lui ajoute une petite crinière. Voilà, cet épisode, bah, je vous dis, il sera un petit peu inutile quand même. À part pour vous faire voir que j'ai fait la scène 4. À sur 12, quoi. Puis, de toute façon, bah, je sais que j'y aurais pas le nombre... Le nombre de pouces bleus qu'il faut, je sais que j'y aurais pas. Je me fais pas d'allusion là-dessus, mais. Ah, je veux quand même vous le publier. Ah, purée, en quelle couleur je vais les faire? La crinière, merde. Pourquoi pas en somme un peu plus foncé? Juste un petit peu plus foncé. Voilà. Donc on va faire avec le spray. J'ai un petit peu dézoomé parce que ben là c'est une fille donc elle va avoir la crinière un peu plus longue. Alors.
Et puis là, c'est suffisant. Donc pour faire un peu, on va rajouter un petit peu de noir. On n'étale pas comme ça, on fait vraiment léger. Puis là, justement, ça fait exprès que ça dépasse, quoi. C'est des poils, parce que c'est pas des cheveux. Bon, enfin, c'est les résidus de cheveux. Parce que les personnes, elles deviennent quand même pas chauves. Et puis je leur rajoute des petits traits. Oh, mais ils sont pas assez épais, les traits. Je vais mettre en deux et je fais des petits traits. Donc voilà quoi. On va dire que cet épisode-là, bah, il est fini, quoi. Juste la modif du dos, mais de toute façon, là, je vais pas vous faire la suite parce que vous comprenez bien, quoi. C'est dans le même principe, sauf que je vais peut-être faire un peu plus pour qu'il soit à quatre pattes, mais voilà. Après, là, quoi. Enfin, j'ai colorié, mais j'ai mis les trucs, mais bon, c'est un petit peu con parce que quand même.